Suivant, le meilleur film de Kung Fu de l'histoire, Karate Kid, c'est le 1984, et non la merde avec Jaden Smith et Jackie Chan. Ah, pauvre Jackie. Un arcade qui se révolte contre les humains explose la tête de ce gars et aussi de ce mec-là. Un policier avec un bandeau rouge et une badassitude extraordinaire devra s'abstenir d'avoir du sexe avec cette fille super canon. My job. Effectuer l'entrée dans un véhicule la plus épique dans l'histoire. Tout ce dans le but de sauver un chiot. Dans un film qui fera jouir Michael Bay. Quentin Tarantino. Et Karl Marx. Ce film vous fera douter de ce qu'il y a vraiment dans Jello de chez Valeur. Avec des scènes comme... Fuck. That's a laser raptor. I thought they went extinct thousands of years ago. Comment je vais faire pour expliquer l'histoire? Sérieusement, what the fuck? Un héros devra pirater le temps sur un clavier skateboard pour aller tuer Hitler. Mais un accident surviendra où il y a trop de temps piraté. D'autres membres s'ajouteront donc à sa quête, incluant cette fille chaude. Cette autre fille chaude sur un T-Rex. Un demi-dieu. Informaticien et ça. Ensemble, ils devront vaincre tous les nazis de la planète. Jouer par pas Milo Ventimiglia. You just destroyed an entire city. Pas Jonah Jameson. There was a kung fu champion. He was so Charlie good Chaplin. That he decided to change his name. Iron Jeremy. Cooley. It is me, Thor. It Dan Bilzerian. Protector of mankind. Check out my pecs. Et l'aigle qui a ruiné la trilogie de Lord of the Rings. So he became the best cop in the Kung Fury. The chosen one.